Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 333 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui vaut le coup d'être joué sur Game Boy Color en tout cas. Sur les autres plateformes, on le voit plus assez récemment, de jour, on le voit plus assez, même partout. Et c'est un jeu que moi j'adorais, qui s'appelle Wario Land 3. Et il est tombé dans la forêt. Wario Land. New game, ah d'accord, t'es pas en français toi. Ah bah si, voilà, français, c'est mieux. Choisis le français. Wario Land 3. Il me semble que j'avais joué à un Wario Land sur Game Boy Advance, mais il y a très longtemps. Ouais, il y a très longtemps, au tout début. Je me demande si j'ai... Non, j'ai pas joué sur Game Boy Color, c'est sûr. Ça devait être la Advance sur laquelle j'avais joué ce jeu. Wario Land. Ce mec, il lui arrive des couilles quand même. Il a rien demandé à personne. Il est avec son avion, il se crache. Il va dans une grotte et il se fait transformer, enfin il se fait transporter par je sais pas quoi. Il se réveille. On sait pas où. Il dit ah ouais. J'y vais là. Ah mon dieu. Des gens là. Une tête cache. Es-tu debout, Mario? Wario, ce monde est une boîte musicale. Tu es tombé dedans. Je suis celui qui protège ce monde. Mais un jour, j'ai perdu tous mes pouvoirs. Et aussi le contrôle de ce monde. Wario, il faut retrouver les 5 boîtes musicales. Genre le mec, il y en a quelque chose à branler, quoi, tu vois. Gal, pour briser le sceau et recouvrir mes pouvoirs. Si tu fais cela, tu pourras rentrer dans ton monde. En gros, je suis kidnappé. Bien sûr, les trésors que tu as seront à toi. Tu vas m'aider? Il réfléchit. Ok. Ok, je me suis crashé. Est-ce que j'ai de la famille, des amis à prévenir? Non. Terminé. C'est à moitié en chinois, à moitié en français. Le temple. Ah bah non, je m'en bats les couilles du temple. Hop. Allez, on est parti. Il me semblait qu'à un moment donné, je pouvais... Ok, il y a encore plein de trucs que je peux pas faire. Il me semblait que c'est... Voilà, ça y va par étapes, ce jeu. Oh, il m'a touché le fils de con. Alors, je peux rentrer dans les maisons. Pour l'instant, je peux pas faire grand chose en fait, hein. En tant que moi-même pour le moment. Oh putain, le con. Ah, il y en avait un caché là. Fils de con. Qu'est-ce qu'il y a de caché là-haut? Une clé. Une clé. Hop. Hop. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre avec une clé? Ouvrir une porte. Pardi. Oh putain, ça glisse.
Ouh, il est pas content l'arbre. Oh putain, lui non plus. Truc de feu là qui lance du feu. Pour l'instant, je peux pas faire ça. Hop, on va rentrer là-dedans. Tchoup. Une petite boule. Yo lolo. Oh, un coffre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce coffre? Tu vois, ça c'est le genre de jeu de plateforme que j'aime bien. C'est vraiment un truc sympa. Il ouvre. Une hache. Ok, il a coupé un arbre pour pouvoir passer au niveau suivant. The Vast Plain. Oh, deux niveaux ont été sortis, ok. The Peaceful Village. Ah, je suis un zombie. Je peux pas monter aux échelles. Ah oui, voilà, je suis un zombie. Donc pour redevenir normal, il faut que j'aille à la lumière du jour. Par contre, ça me transforme en vieille grosse merde. Ah. Allez, on va y arriver. Alors, je peux pas leur foncer dessus. Hein. Ah, je me suis fait bouffer. Allez, avance. Avance, yo. Voilà. J'ai un peu du mal, hein. Je suis un petit peu mauvais. Mais t'es sérieux là? Je me suis auto-bloqué parce qu'en fait, à la base, hein. On doit passer juste en l'évitant. Et là, il m'emmerde. Mais qu'est-ce qui m'emmerde? Voilà, je suis passé. Les portes. Ah ouais. C'était pour récupérer la grande. Il va y avoir un truc en dessous. Pour l'instant, je peux pas sauter. Enfin, en tout cas, je peux pas l'aider. Il y a plein de trucs qu'on peut pas faire dès le début, qu'on pourra faire plus tard en revenant. C'est un jeu comme ça. C'est Wario. Ça, pareil, je peux rien faire. Oh, il va y avoir un zombie. Lui, il va me foutre le feu, je crois. Transforme-moi en zombie. Parce qu'en me transformant en zombie, je vais pouvoir passer à travers la porte là. Yo. Chlop. Une clé.
Et ouais, il fallait le savoir ça, qu'on pouvait passer par là. Hop, j'ai obtenu une deuxième grosse pièce. Mais il y a plein de trucs qui étaient cachés dans le premier niveau qu'on n'a pas eu non plus à cause de tout ce bordel. Hop là, faut que je passe par cette porte là, parce que sinon je peux pas passer. Yep. Et voilà, le coffre est là. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? J'espère que je vais pas tarder à avoir un pouvoir, genre... casser les trucs par le cul... Un morceau de tablette de je sais pas où. Ouh, j'en ai eu deux. Alors qu'il y en avait 8 sur le level. Donc c'est pour vous dire le truc de fou. The Vast Plain. On se fait celui-là. Avant de terminer de jouer. Non, y a pas de tuyau, on peut pas passer dedans. Je crois que lui me transforme en quelque chose. Faut attendre un peu. Alors lui, j'ai de la potion, c'est pour faire quoi déjà? Ah oui, ça me permet de passer là où il y a les portes avec des yeux. Alors par contre, c'est le genre de jeu où vous pouvez pas mourir. Vous pouvez juste revenir là où vous étiez. Alors, on va essayer parce que, effectivement, mais il me semble que j'ai déjà joué, quoi. J'ai l'impression de connaître le jeu par cœur. Donc, voilà. Parce qu'il y a lui qui m'a emmerdé, je me rappelle. Il y a lui qui donne la potion, qui transforme en invisible. Il fallait que j'aille là-haut. On va prendre la clé et revenir. Et me barrer dans ce truc là. Allez, donne-moi le. Réapparaît, putain. Je sais pas comment faire pour réapparaître. Ah, il fallait que je passe dans un tuyau. Ok. Donc maintenant, si je veux revenir, telle est la question. Comment je vais? Parce que maintenant, tout simplement que je rejoigne. Ah putain. Il faut tout simplement que je rejoigne l'autre. Mais je suis loin d'avoir tout le... Voilà, tout ce qu'il fallait. Hop. Voilà, donc j'ai mon coffre. Donc j'ai un autre morceau de truc qui va m'ouvrir sûrement un passage. Qui va me permettre d'aller dans un autre level, mais on n'ira pas. Voilà, les grandes portes là-bas ont été ouvertes. Donc c'est un deuxième monde, voilà, ça m'emmène vers un deuxième monde. C'est qu'il y a d'autres choses à regarder. Et on me harcèle en ce moment. Donc, voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo de Wario Land 3 sur... Game Boy Color, il me semblait qu'on avait déjà fait un épisode sur Game Boy Advance avec le même jeu, il me semble.
Je dis pas de conneries, mais il faudrait que je regarde. Parce que j'ai l'impression d'y avoir joué, mais pas sur cette console, c'est pas vrai ça, c'est pas possible. Ou alors j'ai vraiment une hallucination. En tous les cas, c'est pas grave. Je pensais que... voilà. Moriland, bon, il y en a quelques-uns quand même, il y en a plusieurs. Mais du coup, j'ai un doute. J'espère quand même que cet épisode vous a plu, que vous avez aimé découvrir ce jeu. Si vous ne le connaissiez pas, en tout cas, allez-y, jouez-y. Les Wario, c'est une collection de jeux qui est trop bien. Voilà. Que ce soit sur les anciens, dommage qu'il n'y en ait pas sur de nouveaux jeux Wario. Mais c'était, je trouvais ça sympa. Il y avait toujours un univers, toujours une histoire sympa. Là, c'est une histoire sympa. Si c'est sur Game Boy Advance qu'il existe l'autre. Il est plus joli, forcément, Game Boy Advance. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. On se dit salut!